Soyez sensible. Ma alléluia belongs to you. Quelque chose est en train de se passer. Ma alléluia belongs to you. You deserve. You deserve. Français. Mon alléluia pour toi, Seigneur. Mon alléluia. Mon alléluia pour toi, Seigneur. Mon alléluia. Mon alléluia pour toi, Seigneur. Oh, tu en es digne. Tu en es digne. Est-ce que tu peux le dire ce soir? Tu en es digne. Tu en es digne. J'ai dit tu en es digne. 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 Sabros tabo shebo libo shedoro bobo lebo bobo shedoro bobo lebo bobo shaba lebo shaka sabros shedoro bobo shande libo sababa shaka mabru tabo sotoro bobo brita ba shaka baba baba que l'atmosphère de gloire pénètre toute la salle 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 que l'atmosphère de gloire pénètre dans toute la salle dans toute la salle dans toute la salle dans toute la salle, dans toute la salle, dans toute la salle. Et boche tababos, riba shata, ma zibros tababosha, ma brosa darabababosh, ibras takamaka, le bosha bradabasaka, ibradabashe kababosh. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu en es digne? Chante avec moi. Tu en es digne. Tu en es digne. Dans cette génération. Tu en es digne. Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle tu saison. Il inaugure une nouvelle saison. Oh yes. Tu en es digne. Dans cette génération, je disais. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Oh yes. Tu en es digne. Dans cette atmosphère, commence à prier.
prie pour la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler ce soir. Cette nuit, demande à Dieu de te toucher. Cette nuit, demande à Dieu de te restaurer. Cette nuit, demande à Dieu de te renouveler. Cette nuit, demande à Dieu de te visiter. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. 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 Prends le contrôle. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de ton peuple. Touche ton peuple. Restaure ton peuple. Yebra shadara vavavosh. Lambra jatara vazivra zabavava. Yamba zivra saka. Yeba zavranda shitara vavavuz. Yebrus dabava shaka. Mambrus tamazivrus tandara vavavuz. Tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Tu envoyas ta parole et ta parole est bénie. Tu envoyas ta parole et ta parole est restaure. Tu envoyas ta parole et ta parole est justifie. Tu envoyas ta parole et ta parole est bénie. Tu envoyas ta parole et ta parole est restaure. Restaure-nous au travers de ta parole ce soir. Cette nuit, Seigneur, tu es venu pour parler à ton peuple. Cette nuit, tu es venu. Tu t'es déplacé pour venir nous voir afin de nous parler, de nous restaurer, de nous libérer. Reçois l'honneur, reçois la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus pour sa grâce, pour son amour et sa fidélité. Seigneur, merci encore pour ce jour que beaucoup ont entendu. Et nous croyons que Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu va te faire du bien ce soir? Alléluia. Je bénis Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Vous savez, ce n'est pas évident de se tenir debout et de parler aux hommes. Ça n'a jamais été évident. Mais c'est par sa grâce que nous nous tenons debout. Alléluia. C'est par sa grâce que je me tiens debout devant vous. Et je remercie la présence de tout un chacun. Et je crois que le Dieu que je prie ne manquera pas de vous faire du bien. Ne manquera pas de vous restaurer, de vous délivrer, de vous visiter. Alléluia. Et j'aimerais remercier aussi l'apôtre Douglas, mon père spirituel. C'est lui qui me forme. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants et qui n'ont pas de père. Alléluia. Dans la vie, nous venons tous de quelqu'un. Alléluia. Nous ne sortons pas de nulle part. On ne vient pas comme ça, nous ne naissons pas comme ça. Alléluia. Et dans le monde des esprits, on a ce qu'on appelle les pères spirituels. Alléluia. Des personnes qui nous forment, des personnes qui nous engendrent dans le ministère, dans les choses de Dieu. Alléluia. Et ce soir, cette nuit, j'aimerais te remercier, papa, pour cette confiance. C'est pas évident. C'est pas évident, je vous assure.
Et comme on dit, la chair est chère. On ne prête pas la chair à n'importe qui. Alléluia. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire, lorsqu'on bâtit une maison, cela prend du temps, n'est-ce pas? Mais pour détruire cette maison, c'est en quelques secondes. Alléluia. Et quand je donne cet exemple, je reviens pour dire ce que le Père a bâti aujourd'hui dans cette église. En me tenant debout, je peux tout détruire. Alléluia. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu, je peux tout détruire. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on nous donne une charge, c'est de bien répondre à cette charge. C'est de bien faire les choses en comptant sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je bénis la présence de tout un chacun. Je vois beaucoup de personnes que je connais qui ne prient pas ici. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, nous parlons de l'unité. Alléluia. C'est un thème que le Seigneur m'a inspiré pendant que j'étais en prière. Je priais et puis le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a dit beaucoup de choses par rapport à ce thème. Et ce soir, j'aimerais partager cela avec vous. Vous savez, lorsque nous observons la première église, nous allons nous rendre compte d'une chose, c'est que lorsque vous lisez par exemple le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, lorsque vous descendez au 43e verset, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « Les enfants d'Israël, les apôtres et les personnes qui formaient étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient des choses ensemble. Ils partageaient le pain ensemble. Ils étaient ensemble. Voire même certaines personnes allaient vendre leurs biens pour ramener cela à l'église. » Pour partager entre frères et sœurs. Alléluia. Et là, nous pouvons comprendre une chose, c'est que ces personnes-là étaient en train de vivre ce qu'on appelle l'unité. Ils expérimentaient l'unité. Et à cause de cette unité, les miracles n'étaient pas forcés. Alléluia. Les miracles, les prodiges n'étaient pas forcés. C'était quelque chose d'ordinaire pour eux. Quelque chose de naturel pour eux. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte, c'est que même lorsque le Saint-Esprit a dispatché toutes ces personnes, envoyé toutes ces personnes dans les contrées diverses, envoyé toutes ces personnes-là dans d'autres pays, dans d'autres nations, l'apôtre Paul va insister. Il dira, aimez-vous les uns les autres. Manifestez de l'amour envers les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Considérez-vous les uns les autres. Mais il va au-delà, il dira, mais dans toutes ces choses, conservez l'unité. Alléluia. Conservez l'unité. Tel que nous sommes, nous venons de plusieurs assemblées, de plusieurs églises. Mais nous allons nous rendre compte de nos temps, il y a un problème qui est en train de roger l'église, qui est en train de détruire l'église. Ce problème, c'est que nous ne sommes plus unis. Nous sommes désunis. L'unité ne règne plus dans l'église. Alléluia. Il n'y a plus l'unité dans l'église. Le langage que nous avons aujourd'hui, c'est moi je suis deux. C'est le langage du chrétien d'aujourd'hui. Moi je suis de Sep. Toi tu es de Rehoboth. Toi tu es de Maranatha. Et ainsi de suite. Par rapport à ce langage, nous comprenons tout de suite qu'il n'y a pas d'unité. Nous allons comprendre une chose, c'est que nous avons perdu
l'essentiel. Nous avons perdu la vision. Et cette vision, c'est le royaume. Alléluia. Dieu n'a pas appelé les hommes pour les assembler. Mais Dieu a appelé les hommes pour le royaume. Pour former un seul royaume. Excusez-moi, mais lorsque Jésus reviendra, Jésus ne viendra pas chercher une église qui fait plus de vues sur YouTube. Jésus ne viendra pas chercher des big church. Jésus ne viendra pas chercher des hommes charismatiques. Jésus ne viendra pas chercher des prophètes. Alléluia. Jésus ne viendra pas chercher une chorale qui chante mieux que les autres. Mais Jésus viendra chercher une seule église. C'est-à-dire cette église qui est sans tache ni ride. Une église sainte. Une église qui vit dans la sanctification. Une église qui n'a pas peur de Dieu, mais qui a craint, qui craint Dieu, excusez-moi. Alléluia. Et nous allons comprendre encore cela dans les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Nous allons comprendre une chose extraordinaire que Dieu m'a ouvert les yeux, que Dieu m'a montré. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je m'arrête là. On dit, au commencement, Dieu va créer. Suivez-moi très bien. Dieu va créer. Mais Dieu se rend compte d'une chose, c'est que dans la création, il y avait des ténèbres partout. Comment toi, Dieu, tu peux créer en même temps il y a les ténèbres? Comment on peut expliquer ça? En Dieu, tout est parfait. Alléluia. Mais Dieu va créer, mais il va se rendre compte qu'il y a les ténèbres. Et les ténèbres vont prendre toute la surface de la terre. Mais on va nous dire une chose, c'est que malgré qu'il y avait ces ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait dans le même ténèbre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Cela veut dire quoi? C'est que l'Esprit de Dieu était là, mais ne faisait rien. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu était là, mais l'Esprit de Dieu ne faisait rien. Mais Dieu va dire que la lumière soit. Et à l'instant où Dieu finit, la lumière arrive. Et suivez-moi bien, quelque chose dedans. L'Esprit de Dieu se mouve. Mais Dieu va parler à la lumière. Dieu ne va pas parler à l'Esprit, mais Dieu va parler à la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Dieu va appeler le Seigneur Jésus à éclairer le monde. Lorsque vous lisez le livre de Jean, chapitre 8, au verset 13, Jésus dira, « Je suis la lumière du monde. » Alléluia. Je suis la lumière du monde. Donc Christ va entrer en action pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce qu'on appelle l'unité. Pourquoi? À cet instant de la création, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit.
Dieu ne peut pas créer une chose sans l'unité. Dieu ne peut pas former une chose sans l'unité. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Christ vient pour éclairer le monde. Et Dieu lui-même qui vient pour créer. Chaque personne avait une mission. Dieu avait la mission de créer. L'Esprit n'avait pas encore reçu d'ordre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mouvé. Mais Jésus-Christ a reçu l'ordre d'apporter la lumière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va éclairer. Mazibro Shama. Mais lorsqu'il est question de l'homme, Dieu va dire, formons, créons. Et là, l'Esprit de Dieu entre en mouvement. L'unité. Bien-aimé, j'aimerais nous emmener quelque part. L'Église, si nous ne marchons pas dans l'unité, nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous parlons du réveil. Le réveil, le réveil. Il n'y a pas de réveil sans unité. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans l'unité. Pour qu'il y ait un réveil dans ce monde, pour qu'il y ait un réveil dans les nations, il faut que l'Église s'unisse. Il faut que les assemblées aient une seule pensée, une seule vision. C'est-à-dire, aller de l'autre côté, arracher les âmes. Ça, c'est la mission que nous avons tous reçue de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes divisés. Alléluia. Nous sommes divisés. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du 7e verset, la Bible déclare que Dieu va former l'homme. Alléluia. Il dit, formons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il va former l'homme. Il va faire dormir l'homme. Il va souffler un vent dans ses narines. La Bible déclare que l'homme devint un être vivant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez Genèse 1, à partir du 27e verset, Dieu dit, il a formé l'homme et la femme. Comment, dans Genèse 2, 7, il forme l'homme et il va tirer de sa côte ce qui deviendra sa femme. Mais dans Genèse 1, 27, il dit, il a créé l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous me suivez. En réalité, lui-même qui est uni avec lui-même ne peut pas former une personne qui est désunie. Donc Dieu, en réalité, a formé Adam et Ève était déjà dans Adam. Donc l'unité du mariage a commencé depuis. Ce n'est pas lorsqu'on se marie, on devient uni. Non, en réalité, tu es déjà uni avec la personne que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dieu voyait déjà Ève dans Adam. Alléluia. La Bible dit quoi? L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire Dieu qui est uni ne peut pas former une personne qui est désunie. C'est impossible. Ma brosse à tabac. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Nous voulons avancer, comprendre vraiment l'importance de l'unité. Et dans cette union, dans cette unité, nous voyons la puissance de Dieu. Jésus ne peut pas agir sans Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sans Jésus. Alléluia. De la même façon que mon cerveau, lorsqu'il dit à ma jambe, va à droite, si ma jambe refuse, c'est qu'il y a un problème avec ma jambe. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui à l'Église, dans nos assemblées. Lorsqu'on dit, rassemblons-nous, pour aller gagner des âmes, vous allez voir certaines personnes ne viendront même pas. Parce qu'ils disent, ça c'est pas mon église. Je ne fais pas partie de leur église. Ça c'est un langage du diable. Vous savez, le diable sait
Il le sait très bien. Pour détruire le chrétien, il faut les séparer. Alléluia. Il sait très bien que pour détruire un chrétien, il faut diviser le chrétien. Il faut séparer le chrétien. Il faut créer en lui la jalousie, la haine. Lorsque tu vois ton frère est en train de monter, quel est ton langage, mon frère? Quel est ton langage, ma soeur? Lorsque Dieu est en train de lever une personne dans une assemblée, vous allez voir, nous qui sommes chrétiens, nous allons critiquer cette personne. Nous allons poster des choses sur Facebook, sur WhatsApp et j'en passe. Quel est l'esprit qui nous anime? Est-ce l'esprit de Dieu? Je ne crois pas. Ce soir, j'aimerais vraiment nous sensibiliser par rapport à ce message. Parce que Dieu m'a dit, ce message, je ne serai pas la première personne à parler de ce message, mais plusieurs personnes vont commencer à parler de ce message. Parce qu'il est temps que l'Église revienne à la source. Parce qu'il est temps que l'Église comprenne que le temps est arrivé pour que nous soyons ensemble, pour que nous marchions ensemble, pour que nous ayons les mêmes pensées, les mêmes idées, pour que nous ayons une seule même pensée objectif à atteindre. Nous nous sommes détournés de notre objectif. Alléluia. Jeune que tu es, jeune que je suis, le temps est venu pour nous lever. Le temps est arrivé pour nous tenir à la main et avancer ensemble. Alléluia. L'unité est une puissance. L'unité est une force. Et le diable le sait. Un peuple qui est désuni ne peut subsister. Alléluia. Si nous sommes unis, nous sommes une force. Nous avons une force qui est Dieu, qui vient dans son unité pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Mais s'il y a séparation, si nous ne sommes pas unis, le diable jouera de nous. Le diable va se moquer de nous. Le diable va faire tout ce dont il a besoin de faire. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage qui va nous aider, toujours dans Genèse, parce que nous allons vraiment commencer au commencement pour comprendre les origines, d'où est venue l'unité. Dans Genèse 11, à partir du premier verset, lorsque nous lisons ce passage, nous allons comprendre qu'un seul homme s'est levé et a pris d'autres personnes qui étaient autour de lui. Et cet homme avait une vision. Cet homme avait, comment dirais-je, avait une pensée. Et cette pensée, c'était de bâtir une tour. La tour de Babel. Alléluia. Et qu'est-ce que cet homme va faire? Il va en parler autour de lui. Et en parlant, il va convaincre toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et toutes ces personnes vont accepter cette vision. Et ces personnes vont se mettre ensemble à cause d'une seule vision. Alléluia. À cause d'une seule vision. Il va convaincre le cœur de certaines personnes et ils vont se mettre ensemble. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter une tour. Mais cette tour, vous allez vous rendre compte, va arriver jusqu'à atteindre même le Seigneur. Et c'était la vision de cet homme. Montons une tour jusqu'à atteindre Dieu. Quelle abomination! Alléluia! Comme aujourd'hui, certaines personnes s'assemblent qui disent, nous allons bâtir un temple.
Est-ce ce temple pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre propre gloire? Alléluia. Est-ce pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre propre gloire? Et à cause d'une vision, ils vont se mettre ensemble. Et ils vont monter cette tour. Et Dieu du haut du ciel va se rendre compte que si je laisse cette personne va atteindre son objectif. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne était unie avec les personnes avec qui il avait convaincu. Il y avait l'unité. L'unité régnait au milieu de ces gens, au milieu de ces hommes et ces femmes. L'unité régnait. Et il va monter cette tour. Et vous allez vous rendre compte, Dieu va dire une chose. Il dira, descendons. Dieu ne dit pas, je descends. Mais Dieu dit, descendons. Écoutez, cet homme-là va unir certaines personnes. Ils vont monter une tour dans l'unité. Et Dieu, pour descendre, il descend aussi dans... Yes. Dieu ne peut pas faire une chose sans son fils, sans l'esprit. Alléluia. Dieu dira descendons et confondons leur langage. Et Dieu va descendre. Il va confondre leur langage. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque personne va commencer à parler un langage que l'autre n'entendait pas. Et c'est ce jour-là que les langues sont nées. Celui qui parle en Bambara, celui-là ne comprenait pas le Bambara, celui-ci parlait le Lingala, celui-là ne comprenait pas le Lingala, celui-ci parlait le français, celui-ci ne comprenait pas le français, l'autre parlait le Swahili, celui-ci ne comprenait pas, et ainsi de suite. Les langues sont nées ce jour-là. Mais en réalité, ces langues-là, Dieu avait une vision aussi pour ces langues. Et il est beau. Parce que la vision de Dieu était d'atteindre les nations. Parce que Dieu avait déjà vu la rédemption. Suivez-moi très bien. L'unité est une force que les chrétiens aujourd'hui nous sommes en train de bafouer. Que les chrétiens aujourd'hui nous sommes en train de négliger. La force du chrétien vient dans l'unité. Le diable peut regarder ta vie de prière et dire prie, 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 c'est bien, continue à prier. Mais lorsque tu t'unis avec une personne, il vient te combattre. Écoutez, pourquoi la Bible déclare là où deux? Pourquoi on parle de deux? Pourquoi on ne dit pas un? Alléluia. Et on dit, si deux personnes s'assemblent, oh yeah, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu accordera cette chose. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, on n'a pas une seule personne, mais on a deux personnes qui prient, mais dans l'unité, qui devient une seule personne. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui qui prend une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils deviendront une seule personne. L'unité. L'unité. Telle que nous sommes, si nous nous mettons ensemble, si nous avons une seule vision, si nous avons un seul langage, je vous assure, quelque chose va se passer. Et ce soir, je suis venu te dire, quelque chose se passera. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre que aujourd'hui c'est le temps de l'unité. Et l'unité va régner aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Certaines personnes qui ne parlent pas en langue vont parler en langue aujourd'hui. Certaines personnes qui ne prophétisent pas prophétiseront aujourd'hui. Si tu es venu malade, tu sortiras guéri. Je te le dis au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, Dieu va détruire ces tours et va disperser ces hommes dans le monde. J'aimerais juste nous faire comprendre une chose que Dieu m'a fait comprendre. Pour ne pas que tu sois jaloux de ton frère ou jalouse de ta sœur. Dieu élève tout le monde. Mais Dieu ne présente pas tout le monde. Ça, c'est une parole prophétique que Dieu m'avait donnée.
Il élève tout le monde, mais il ne présente pas tout le monde. Qu'est-ce que la différence entre la présentation et l'élévation? L'élévation est donnée à tout chrétien qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais la présentation est réservée aux personnes qui ont une mission spéciale dans ce monde. Alléluia. Dieu va élever Aaron, mais va présenter Moïse. Dieu va élever Jean-Baptiste, mais lorsque Jean-Baptiste se retourne et dit, est-ce que quelqu'un m'a compris? Il va présenter le Christ. Alléluia. Dieu va élever les frères de Joseph, mais va présenter Joseph. Dieu élève tout le monde, mais il ne présente pas tout le monde. Donc si tu vois ton frère être élevé, frère, bénis Dieu. Parce que tu ne sais pas si toi, c'est l'élévation ou la présentation. Chaque personne a sa part dans les choses de Dieu. Alléluia. La grâce que j'ai, il ne l'a pas. La grâce qu'il a, je ne l'ai pas. Alléluia. Mais Dieu prend plaisir à toutes les personnes qui le servent. Pourquoi devenir jaloux? Pourquoi critiquer son frère? Alléluia. L'unité. L'unité. Et j'aime beaucoup le livre de Corinthiens. L'apôtre Paul insiste beaucoup sur l'unité. Il parle beaucoup de l'unité. Et lorsque vous lisez aussi le livre d'Éphésiens, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul insiste vraiment sur l'unité. Insiste sur l'amour, insiste sur le partage, insiste sur le pardon. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Une chose qui se perd dans nos églises. C'est-à-dire lorsque je te fais du mal et je viens te demander pardon, tu n'es même pas capable de me pardonner. Il y a un problème. Il y a un problème. Combien de personnes avons-nous bloquées, emprisonnées à cause du manque de pardon? Et nous venons ici adorer le Seigneur comme si de rien n'était. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. On en parle parce que le Seigneur sait que là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Écoutez mes frères et sœurs, si dans le ciel, il y a eu rébellion, à combien plus forte raison sur la terre? Excusez-moi, si là-bas, il y a eu rébellion, le diable s'est rebellé et a pris certains anges et est descendu avec eux, à combien plus forte raison sur la terre? Alléluia. Supportons-nous les uns les autres. C'est la parole de Dieu. Le fait de te supporter, de mon côté, j'apprends à m'humilier. Alléluia. Le royaume, c'est la vision de Dieu. Quand Dieu parle de l'église, Dieu ne voit pas plusieurs églises, mais Dieu voit une seule église. Dieu voit un royaume. Si moi, qui suis censé être le fils de mon père, et que je hais mon frère, qui est aussi le fils de mon père, on ne peut pas avancer. Alléluia. Certaines personnes dans cette salle ont des enfants. Imaginez-vous que vos enfants ne s'entendent pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Étant parent,
C'est ce que Dieu voit tous les jours. Les églises qui se battent, nous, lorsqu'on fait des programmes, nos programmes sont mieux réussis que vos programmes. Nous, lorsqu'on chante dans notre chorale, il faut écouter les voix des anges. Nous, lorsqu'on prêche dans notre église, il n'y a pas meilleur que nous. Ça, c'est le langage du chrétien. Ça, c'est le langage du chrétien. Et on se dit, avoir un seul même esprit. Faux. Dieu n'a pas deux esprits. Dieu n'a pas envoyé deux ou trois esprits. Il a envoyé un seul esprit. Si réellement nous avons l'esprit de Dieu, nous marcherons dans l'unité. Alléluia. Je dis, nous marcherons dans l'unité. Et nous ferons des choses à la va-vite, à la vitesse. Les miracles aujourd'hui sont devenus rares. Les produits sont devenus rares aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Là où il y a l'unité, le miracle est facile à voir. Là où il y a l'unité, le miracle descend seul. On n'a pas besoin de forcer. Vous savez, lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu est capable de faire tout ce qu'il a envie de faire. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, les vraies choses se passent là. Mais malheureusement, nous allons constater une chose. Nous venons dans la présence de Dieu, mais nous retournons tels que nous sommes venus. Est-ce que réellement nous venons dans la présence de Dieu? La Bible déclare, aucune personne ne peut venir auprès de moi, aucune personne ne peut venir vers moi et repartir de la façon dont il est venu. Mais si nous sommes réellement fils de Dieu, filles de Dieu, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je ne peux pas sortir de la façon dont je suis rentré. Il faut que je sorte avec quelque chose. Soit une bénédiction, soit une délivrance, soit une restauration, soit une visitation. Peu importe, mais en tout cas, il faut que je sorte avec quelque chose. Celui qui entre de la présence de Dieu et qui sort de la même façon dont il est rentré, cette personne-là doit se poser des questions. À chaque fois que j'entre dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, je sors toujours avec une parole. Je sors toujours avec quelque chose. Pourquoi? Parce que la première des choses que j'essaie de faire, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, je cherche à ce que Dieu me communique sa présence. Pour parler de ce message, il m'a fallu faire certaines choses, c'est-à-dire demander à Dieu de s'unir avec moi. Pour apporter l'esprit de l'unité, je dois être moi-même uni avec Dieu. Si je ne suis pas uni avec Dieu, je ne peux pas apporter l'esprit d'unité. La chorale qui a chanté ici, pour chanter de la façon dont ils ont chanté par la grâce de Dieu, il faut l'unité. Sinon, chaque personne qui va prendre le micro va penser que c'est sa voix qu'on a besoin d'entendre. Alléluia. Lorsque nous montons à la chair, soit pour prêcher, soit pour chanter, soit pour jouer, ce n'est pas nous. On ne cherche pas à nous faire voir. On ne cherche pas à se montrer, mais on cherche à présenter le Seigneur par nos chants, nos louanges. L'unité arrive lorsque chaque personne accepte dans sa vie de s'unir avec le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Tu dois d'abord accepter de t'unir avec Dieu, celui qui t'a appelé. Et si chaque personne ici porte Christ, combien nous serons puissants et forts. Si chaque personne ici porte la présence de Dieu, nous allons bouleverser le monde. Vous savez pourquoi les apôtres ont bouleversé le monde?
Parce qu'ils avaient adopté la vision du Seigneur. Et parce qu'ils étaient unis entre eux. Paul pouvait prêcher des choses qui certains apôtres pouvaient ne pas comprendre. Mais ils ne portaient pas un jugement de la prédication de Paul. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous voyons un frère, nous voyons un serviteur de Dieu prêcher certaines choses qu'on ne comprend pas, on commence à critiquer. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous parler d'une chose. Dans le monde des esprits, il y a plusieurs portes. Il y a des portes que certaines personnes ne sont pas encore entrées. Il y a des sphères que certaines personnes ne sont pas encore entrées. Donc si moi tu vois, j'ai un langage d'un prophète, d'un docteur, d'un je ne sais quel ministre, si j'ai un langage que tu ne comprends pas, ne viens pas me juger. Parce que tu ne sais pas quelle porte j'ai pris. Il y a des dimensions, frère. Certaines personnes vont vous prêcher certaines choses. Peut-être tu ne comprends pas aujourd'hui, peut-être tu comprendras demain. Mais ne juge pas la personne qui te prêche. Ne dis pas, ce n'est pas une prédication de Dieu. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Frère, tout n'est pas marqué dans la Bible. La Bible déclare qu'il a caché certaines choses, mais il les a réservées à ses enfants. Certaines paroles, il n'y a que des aigles qui peuvent comprendre cela. Donc ne me juge pas lorsque je viens t'apporter une révélation que tu n'as jamais entendue. Alléluia. Parce qu'il y a des portes spirituelles que certaines personnes ne sont pas encore entrées. Et aujourd'hui, malheureusement, nous mettons tout sur Facebook. Faux prophètes, faux pasteurs, faux ceci, faux cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux, ça existe. Mais ne porte pas un jugement sur ton frère, sur ta sœur. Sur ce que tu n'as jamais entendu, sur ce que tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont en train de combattre Dieu au lieu de combattre le diable. Nous pensons parfois combattre le diable, mais nous combattons Dieu. Voilà pourquoi Gamaliel dira, si réellement cette œuvre est de Dieu, on verra. Laissons ces personnes-là faire leurs choses. Si c'est de Dieu, ça subsistera. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça se brisera. Donc toutes ces personnes-là qui se lèvent pour parler, pour prêcher la parole de Dieu, laissez ces personnes parler. Si c'est Dieu, si Dieu est là, on verra aussi si c'est Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, les fouillons aussi démontrera que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Demeurons dans l'unité. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Je me souviens encore lorsque le pasteur Douglas venait me chercher à l'époque où j'habitais à Créteil. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, ah, lui aussi, mon bête. Mon frère, il est là ici. On était au foyer à l'époque. À cette époque-là, je ne travaillais pas. Parfois, il m'appelait parce que j'habitais juste à côté de chez lui. Il m'appelait. Juste, t'es où? Pasteur, je suis à la maison. Viens, viens, j'arrive, je viens te chercher. Ah, pasteur, j'arrive. Il vient, il me prend. On va aller visiter une famille. On va aller prier pour cette famille. Et je sais qu'il s'en souvient très bien. On va aller prier pour une famille. On va prier, on va prier, on va prier. Au début, c'est lui qui priait. Moi, j'étais juste derrière, j'écoutais, j'entendais, je priais. Lui priait, il a posé les mains. Il priait, il priait. Et on rentrait. Et un autre jour, il revenait encore. « Juste, t'es où ?»« Ah, pasteur, je suis avec un ami. »« Non, j'ai besoin de toi. Il faut qu'on aille faire quelque chose. » Il me prend. On allait encore vers certaines personnes. On allait prier. On allait faire des délivrances. Et un jour, je me rappelle, on était à Alfortville. Il me prend. Il y avait un cas. La personne était sur une chaise. Le pasteur a commencé à prier. Il prie, il prie, il prie. Et il se retire. Il me fait... Vas-y. Et là, je me mets devant. Le pasteur a arrêté de prier. Moi, je me mets devant. Et je regardais la personne. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et quand je commençais à prier, Seigneur,
manifeste ta gloire. La personne qui était assise a ouvert les yeux. Donc la personne a dit, non, là c'est plus le pasteur qui est en train de prier. Qui est ce petit là qui est en train de prier pour moi? Voyez un peu. Et là j'étais en train de prier pour cette personne. J'ai pris autorité. J'ai chassé les démons qui menaçaient cette vie. Je priais. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vas prendre toutes tes affaires et tu vas partir. Et le démon est parti. Au début, je ne comprenais pas. Mais pourquoi ils m'embêtent tout le temps? Tu viens, fais ci, fais ça, va là-bas, va parler à telle personne, va soutenir. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était ma formation. Voilà pourquoi aujourd'hui je me tiens devant vous. Avec assurance. Aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu parce que j'ai appris des choses dans le secret. Et je continue à apprendre dans le secret. Je ne cherche pas à me faire connaître. Je n'ai pas besoin de ça. Comme je dis, laissons la grâce parler. Laissons les choses se faire. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui présente ou Dieu qui élève. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'élévation et le temps de la présentation. Alléluia. Je disais alléluia. Chaque chose, laisse Dieu faire. Peut-être on ne te connaît pas. Cache-toi encore, mon frère. Et là, je parle à la jeunesse, à ma génération. Nous sommes trop pressés. Sur Facebook, tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde est devenu apôtre. Tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est devenu prophète. Est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi? Même si tu as l'appel, pourquoi tu t'exposes? Écoutez, si le Seigneur de gloire, celui qui t'a appelé, celui qui m'a appelé, celui qui est parti mourir à la croix, il a entendu pendant 30 ans dans le néant, personne ne l'a vu. À combien plus forte raison toi et moi devons travailler dans le secret? Alléluia. Jésus-Christ est resté 30 ans. Personne ne le connaissait. Personne, frère. Mais aujourd'hui, Facebook lance des personnes, sort des personnes. Ce n'est pas Dieu, mais c'est Facebook. Et le diable est en train de se moquer de l'église. Frère, ce n'est pas un homme qui élève. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Ne soyons pas pressés. Je parle à ma génération. Ne soyons pas pressés. Laissons Dieu faire les choses. Laissons Dieu faire les choses. Frère, certaines personnes ont mis des pieds là où il ne fallait pas mettre. On t'invite par ici, tu vas. On t'invite par là, tu vas. On t'invite. Il y a des églises où tu mets ton pied. Frère, il y a des démons qui vont te poursuivre. Il y en a qui créent des problèmes eux-mêmes. Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Mais pose-toi la vraie question. Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai été prêché quelque part? Ne soyons pas pressés. Frère, le monde spirituel, il ne faut pas blaguer avec. Il ne faut pas jouer avec le monde spirituel. C'est un monde qui est plus physique et plus réel que le physique. Alléluia. Les démons sont réels, ça existe. Rappelez-vous de ces personnes qui se sont fait frapper par les démons. Ils ont dit, Paul, on le connaît. Ces personnes qui prêchent là, on les connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Dans cette génération, le diable va dire à certaines personnes, qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu étais mandaté par qui? Parce qu'avant d'aller prêcher, il faut être mandaté. Il faut que Dieu te mandate. Il faut que Dieu te donne ce qu'on appelle le bouclier. Il faut qu'il te donne ce qu'on appelle le mandat. Si tu n'as pas le mandat, tu vas aller faire quoi? Les gens pensent que parce que j'impose les mains, une personne tombe. C'est ça la prédication. C'est ça prêcher la parole de Dieu. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Faire tomber une personne n'a jamais sauvé une personne. Mais lorsque nous prêchons la vérité, lorsque nous prêchons l'Esprit de Dieu, c'est ça qui sauve. Alléluia. Et ces personnes-là, malheureusement,
lorsqu'on essaie de leur répondre, leur faire comprendre que ce n'est pas encore le temps, attends, prends encore le temps dans la prière, cherche encore Dieu, cherche à être mature spirituellement, cherche à savoir ceci, à savoir cela. Ces personnes-là vont te dire, pourquoi tu es contre moi? Non frère, je ne suis pas contre toi, au contraire, j'essaie de t'aider. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, sont devenus irrespectueux. Ils ne respectent plus les anciens. Parce que ces personnes pensent qu'ils ont l'onction. Frère, l'onction ne sauve pas. L'onction ne sauve pas. Alléluia. La Bible déclare que l'onction est quoi? L'onction et la grâce, c'est quoi? Trompeuse. Ça peut nous tromper. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux venir, je fais tomber le frère. Mais demain, j'ai une vie de masturbation. Combien de personnes vivent de vie secrète, mais font tomber des hommes? Alléluia. Le temps de l'unité a sonné. Où l'église doit être ensemble. Où nous devons marcher ensemble. Où nous devons avoir un seul langage. Où la division ne doit plus régner au milieu de nous. Où les séparations ne doivent plus se faire voir au milieu de nous. On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Alléluia. Ce soir, nous allons tous nous lever. Et nous allons prier sérieusement. Je disais, ce soir, nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons prier sérieusement. Et quand je dis sérieusement, c'est sérieusement. La Bible déclare que dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 2, premier verset, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Alléluia. Ils étaient ensemble. Comme ce soir, nous sommes ensemble. Ils étaient en train de prier. Ensemble, de jeûner ensemble. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un tout à coup. Tout à coup, quelque chose s'est passé. On dit qu'il y a un vent. Un vent. Un tremblement. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu. Frère, l'Esprit de Dieu descend que là où il y a l'unité. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre là où il n'y a pas d'unité. Pour l'Esprit ne connaît que l'unité. Alors pour descendre, il peut descendre que là où il y a l'unité. Là où il y a le péché, l'Esprit ne peut pas descendre. Là où il y a division, l'Esprit n'a pas lieu d'être là. C'est comme ce soir. Nous sommes unis, nous sommes ensemble et l'Esprit de Dieu va descendre. Je le crois au plus profond de moi. L'Esprit de Dieu va descendre. Pourquoi? Parce qu'il prend plaisir à ce qui est en train de se passer maintenant. Ce jour-là, l'Esprit est descendu. La Bible déclare des langues semblables à des langues de feu apparurent à ces personnes-là. Frère, avez-vous déjà vu des langues de feu? Avez-vous déjà vu des langues de feu? Ce soir, certaines personnes verront des langues de feu. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais je dis et j'aurais dit, ce soir, certaines personnes verront des langues de feu. Parce que Dieu a décidé de descendre et de faire du bien à son peuple. Et je le dis encore, ce message, je ne serai pas la première personne à prêcher ça. La seule personne plutôt à prêcher ce message. Vous allez voir, plusieurs personnes vont commencer à prêcher ce message. Pourquoi? Parce que le message de l'unité ne regarde pas simplement l'église, mais le message de l'unité regarde aussi des couples. Je ne peux pas vivre avec ma femme s'il n'y a pas l'unité. Je ne peux pas éduquer mes enfants s'il n'y a pas l'unité. Dans les nations, lorsqu'il n'y a pas d'unité, les nations sont brisées. Alléluia.
Dans une entreprise, lorsqu'il n'y a pas l'unité, l'entreprise ne peut pas évoluer. Lorsque plusieurs personnes ont plusieurs langages, l'église ne peut pas subsister. Si le pasteur a un langage, moi j'ai mon langage, le frère il a un langage, lui il a son langage, comment l'église peut subsister? Alléluia. Ce message ne regarde pas que l'église, mais plusieurs choses. Alléluia. Le temps de l'unité a sonné. Dieu n'arrête pas de me le dire. Le temps de l'unité a sonné. Le temps de l'unité a sonné. Ibrachanda. Ibrachanda. Accompagnez-moi, mes frères. Le temps de l'unité a sonné. Entrez avec moi dans l'esprit. Mazibro shakamanda sita. Ibranda shakamaro bosha. Mazubro shtanarabababa. Ebro sheka. Imbranda shandarababosh. Ibro stakababa. Le temps de l'unité a sonné. Le temps de l'unité a sonné. Le temps de l'unité a sonné. Là où Dieu va descendre dans toute sa gloire. Là où Dieu va toucher de vie. Là où Dieu va toucher de cœur. Là où les miracles et les prodiges deviendront naturels. Là où nous allons vivre le naturel, comme si c'était le surnaturel, mais le surnaturel deviendra naturel au milieu de nous, à cause de l'unité, à cause de l'unité, à cause de l'unité, à cause de l'unité, à cause de l'unité. Un peuple qui est divisé ne peut pas subsister. Un peuple qui est divisé ne peut pas subsister. Une famille qui est divisée ne peut pas subsister. Un royaume qui est divisé ne peut pas subsister, ne peut pas subsister. Une nation qui est divisée ne peut pas subsister, ne peut pas subsister. Une famille qui est divisée ne peut pas subsister. Au nom de Jésus, c'est l'heure de l'unité. C'est l'heure de l'unité. Le temps de la jeunesse a sonné. La jeunesse, ce n'est pas simplement le jeune par rapport à l'âge, mais c'est aussi l'état de l'esprit. C'est aussi l'état d'esprit. C'est aussi l'état d'esprit. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, Dieu peut te toucher. Quel que soit ton âge, Dieu peut te saisir. Quel que soit ton âge, Dieu peut te relever. Quel que soit ton âge, Dieu peut t'instaurer les choses nouvelles. Et bon, Shaka, Ibro Shaka, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ibro Shanda Rababosh, Ibranda Shaka, Ibro Shaka Bababosh. Père, tu m'as dit, le temps de l'unité a sonné. Tu m'as dit, le temps de l'unité a sonné. Tu m'as dit, le temps de l'unité a sonné. Tu m'as dit, tu vas toucher. Tu m'as dit, tu vas restaurer. Tu m'as dit, tu vas relever. Tu m'as dit, tu vas toucher. Tu vas toucher, tu vas toucher. Tu m'as dit, Seigneur mon Dieu, tu vas restaurer des âmes ce soir. Si réellement c'est toi qui m'as parlé pendant que j'étais en prière, si réellement c'est toi qui m'as parlé pendant que je priais, si réellement c'est toi qui m'as montré cette vision où les âmes étaient en train de venir vers toi, alors fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir, fais-le ce soir pour ta gloire, fais-le ce soir pour ta gloire, fais-le ce soir pour ta gloire. Yebo shanda rababosh, rebo shaka bababosh shanda, ibronda shata, marobo sheka barababosh, ibronda basata rababosh, mambruta basata, mambro sata rababosh, enderebosh, enderebosh, enderebosh. Commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es, commence à invoquer Dieu là où tu es, commence à invoquer Dieu là où tu es. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu m'as promis que les miracles seront tangibles. Que les miracles seront tangibles. Tu m'as promis que l'heure de l'unité a sonné. Que l'heure de l'unité a sonné. Nous devons nous unir pour aller ensemble. Seigneur, oh Dieu, nous devons avoir une seule même vision. Une seule même vision. Un seul même langage. Le langage du royaume. Le langage du royaume, le langage du royaume, le langage du royaume. Et bobo bo sheka, et bobo bo sheka, et bobo bo sheka, et bobo bo sheka. Rebo shandara babo, ibro saka bababosh, ibro shandara bosh, ibro tabasata, ibro naba shike rebo bosh, ibro naba sata rababosh. E ba 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 ba. E ba 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 ba. E ba 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 ba. E ba 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 ba. E ba 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 ba. E ba 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 ba. Nabrata kasata.
Ebranda sotarababo, Bretabashitarababa, Enge Shekerebo, Eba Shandarababosh, Ebranda Basatarababosh, Britabasando, Bratabasaka, Ebranda Bashanda, Ebranda Basheka, Mazoprestababosh, Ebranda Bashinderebobosh. Je t'invoque. Descends au milieu de ton peuple. Descends au milieu de ton peuple. Touche. Saisis, libère. Au nom de Jésus. Dieu va commencer à toucher. Dieu va commencer à toucher. Je dis, le temps de l'unité a sonné. Ouvrez vos cœurs. Soyons ensemble, animés d'un seul même esprit, animés d'une seule même pensée, ayant l'esprit du royaume. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir par la main? Yava, monte avec moi, Brian. Ça commence. Ezebo, Ibashaka, Ibrosete, Ibranda Sakamuzamru, Ikomusi Prasta Kanakata, Irabasata, Ireboshaba, Irebobobobobobo. Ibrasa makonde rebosha, irebosha kabababababa, iramashata, ibrosta kamandu rebosh, imasata bosata, imasata babababa. Père, tu m'as promis de descendre ton esprit, au milieu de ton peuple. Tu as promis que nous allons vivre. Acte 2. Ils étaient ensemble. Mais tout à coup, un vent impétueux est entré des langues semblables à des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés de tous, ils furent tous saisis de l'Esprit de Dieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
continue mon frère. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de baptiser. 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 À cause de l'unité. À cause de l'unité. À cause de l'unité. À cause de l'unité. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya 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 ba 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 ba. Brosaka ba ba ba. Ye bo shaka. Ye bo shaka. Ye bo shaka. Ye bo shaka. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Ra ba sabareyen. Ya ba sabareyen. Ye bo shaka. Ye bo shaka. Ye bo shaka. Quelque chose est en train de se passer. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Rempli. 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 Père rempli. 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 Déborde. Déborde, déborde, rempli, rempli. Zipro Saba, Zipro Shaba. Un temps arrive. Un temps arrive. Un temps arrive. Un temps arrive. Dieu a dit un temps arrive pour toi. Dieu a dit un temps arrive pour toi. Zivro, Mazibrasta Kamata, Ramasu Branda Sata, Masu Prosta Kamasu, Rebo Shaka. Après cette réunion, tu ne seras plus la même personne. Je dis après cette réunion, tu ne seras plus la même personne. Mazuka Maziba, Yimo Shaka. Ça commencera à partir de là. Ça commencera à monter, 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 à monter. Père, fais-le, 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 fais-le pour ta gloire. C'est ton serviteur. Rabashanda, 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 Rabashanda. L'Esprit est en train de descendre sur toi. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Yimashaka, Yimashaka. Dieu me dit de te dire, tu dois prendre des temps de prière. 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 Parce qu'il a décidé de te visiter. Il a décidé de te visiter. Mais il veut te visiter là où tu dois te trouver, c'est-à-dire dans la prière. Dieu veut te visiter, mais tu dois être dans la prière. Yimashaka, Yimo Zebra, Masubra Takamasota Kakura, Yimasaka Makandara Baba 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 Baba, Yebo Shaka, Yebo Shaka, Yebo Shaka. Père, 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 Père. Descends sur elle. Descends sur elle. Et prépare-la à une vie de prière intense. À une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Intense. Nambra Sata. Nebra Shandara Babouche. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis que cette soirée restera dans les annales, que cette soirée restera dans les annales. Tu m'as dit, cette soirée est une soirée, pas comme une autre soirée. Cette soirée n'est pas une soirée semblable aux autres soirées, mais cette soirée était un rendez-vous solennel. Cette soirée était un rendez-vous avec Dieu. Cette soirée était un rendez-vous avec Dieu. Dieu est venu, Dieu est descendu, Dieu est descendu parmi nous. Dieu est descendu parmi nous. Dieu est descendu parmi nous. Cette soirée était une soirée, oh oui, de prophétie, une soirée de gloire, une soirée de puissance,
une soirée d'unité, une soirée d'unité, de révélation, de révélation, une soirée de restauration, de puissance. Orebo shaka, ebro shanda, mazubrosta kaba baba 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 baba, ebo shaka. Toutes les personnes qui sont en train de désirer Dieu, Dieu va vous toucher. Toutes les personnes qui désirent Dieu à cet instant, Dieu va te toucher. Je dis Dieu va te toucher. 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 Toutes les personnes qui désirent voir Dieu, Dieu va se montrer à vous. Toutes les personnes qui désirent voir Dieu, Dieu va se montrer à vous. 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 Ebo shaka. Yeba shandara bababa, ibros tamakonda, ituka marebo sata. Yema shaka, ibros tambara bababa bababa, yema shandara bababa 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 bababa. Reçois l'esprit, 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 reçois l'esprit. Reçois l'esprit, reçois l'esprit, reçois l'esprit, reçois l'esprit. Ezava, 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 jeune fille, Dieu t'appelle à la prophétie. Dieu t'appelle à la prophétie. Dieu veut se servir de ta bouche. Dieu veut se servir de sa bouche. Dieu veut se servir de ta bouche. Il me dit, t'attends dans la prophétie. Et Macha, Père, ouvre sa bouche. Ouvre sa bouche, ouvre sa bouche, ouvre sa bouche, ouvre sa bouche. Hein. Dieu est en train de communiquer cette grâce à la sœur qui est juste en face de toi, qui est juste à côté de toi. Il est en train de communiquer la même grâce. Elle va prophétiser, elle va prophétiser, elle va prophétiser, elle va prophétiser, elle va prophétiser. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont prophétiser. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont prophétiser. Beaucoup de personnes vont prophétiser. Beaucoup de personnes vont parler en langue. Beaucoup de personnes vont voir Dieu les apparaître. Et ma chaka, et mon chaka babosh, et brad sata, ma zureboche, ma zubrostaka, mantura basata bababosh. Obed, tu désires Dieu. Obed, tu désires voir Dieu, n'est-ce pas? Tu désires voir Dieu. Eh ben, chata, le seul désir de ton cœur est monté vers Dieu. Dieu me dit de te dire, il a vu, il a vu, il a vu le désir de ton cœur. Il a vu le désir de ton cœur. Il a vu le désir de ton cœur. Tiens, prends, 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 prends cette soif de le servir, cette soif de le servir. Cette soif de les servir, cette soif de les servir, cette soif de donner ta jeunesse, cette soif de te donner entièrement à lui, cette soif de te donner entièrement à lui. Il va se servir de toi, il va se servir de toi, il va se servir de toi, il va se servir de toi. Dieu m'a dit de te dire, il fera la fierté de ta mère. Il m'a dit, la fierté de ta mère. La fierté de ta mère. Parce que tes parents ne t'ont pas donné ce nom en vain. Tes parents ne t'ont pas donné ce nom en vain. Rabashanda, Reboshaka, Mazuba, 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 Mazuba. Je t'avais dit que la dimension de ta vie allait monter. Je te l'avais dit, Dieu me dit. Il te l'avait dit. Il te l'avait dit. Il te l'avait dit. N'est-ce pas que tu es en train de vivre des choses merveilleuses avec Dieu? Mais il te dit encore, monte encore. Monte encore. Monte encore. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur, fais-le. Encore. 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 Oh oui, je vois.
cette huile qui est en train de descendre sur toi. Oh oui, 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 cette huile qui est en train de descendre sur ta tête, qui est en train de descendre sur ta tête. Isama Sata Yaba Saraba. Père, glorifie ton nom. 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 Shandara babosh, Rabba Shandara babosh, Ramla Shandara babosh, Randa Shandara babosh, Randa Bashandara babosh. Yabasha, Yabasha, Ribo, 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 Ribo. Ribo, Dieu me dit, là la plupart de personnes vont commencer à parler en langue. La plupart de personnes vont commencer à parler en langue. La plupart de personnes vont commencer à parler en langue. Ça arrive, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Oh, je sens ce vent, je sens ce vent, je sens ce vent qui est en train de rentrer. Je sens ce vent qui entre. Je sens ce vent qui entre. La plupart vont commencer à parler en langue. La plupart vont commencer à parler en langue.
Je sens ce vent qui entre. Je sens ce vent qui entre. Isivris ta masouvi. Isivris ta masouvi. Ifrosta fissa brasta. Isivren la sita. Ava sava. Aza sava vose. Izava vostava. Ifosivres te. Oh, basi. Imbrona santiribusta. Ya prasta kamasute. Imbrista masuba. Izava sambarabala. Azata ravavos. Vas-y, vros tavavos. Vas-y, vros tavavos. Embros tavavavos. La constance. La constance. La constance. La constance. La constance. Dieu te veut dans la constance. La constance. La constance. La constance. Plus de va-et-vient. Plus de va-et-vient. Plus de va-et-vient. Plus de va-et-vient. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Plus de va-et-vient. La constance, la constance, la constance. Père, saisis-la, saisis-la, saisis-la par ce vent, par ce vent, par ce vent, par ce vent, par ce vent. Maintenant, 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 maintenant. Dieu me dit plus de va-et-vient, 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 plus de va-et-vient. Ibo Shanda. Ibo Shanda, Ibo Shanda, Ibo Shanda, Ibo Shanda, Ibo Shebrostaba, Mazibrosabababosh. Tu es une prophétesse. Dieu me dit, tu es une prophétesse. Tu es une prophétesse. Tu es une prophétesse authentique. Tu es une prophétesse authentique. Tu es une prophétesse authentique. Une prophétesse authentique. Une prophétesse authentique. Dieu veut se servir de ta bouche. Dieu veut se servir de ta bouche. Dieu veut se servir de ta bouche. Rabasaba. Reboche kamarababosh. Brusta makandera baboshta. Mazabrasta kamasuda. Yamba santa rababoshta. Au nom de Jésus, reçois la présence de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit prendre le contrôle. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Arrête de te retenir. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Laisse l'Esprit prendre le contrôle. 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 Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Yibashaka. Mazibros tababosh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus de lui dans ta vie. C'est ce que tu désires. Plus de lui dans ta vie. Plus de lui. Plus de lui. Plus de lui. Femme, 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 femme. Dieu me dit femme de feu. Dieu me dit femme de feu. Femme de feu. Femme de feu. Femme de feu. Femme de feu, 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 fire, 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 fire. Ezebrasava, Yembashaka. Tu vas sentir le feu dans tes mains. 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 Parce que tu es une femme de feu. 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 Tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu. Yavazavavava. Yamazada. 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 Yamazada, Yamazada. Ribo Shanda. Sache que le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Dieu me le répète encore. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. 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 Oh Yama, je dis un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne trompe pas.
Un Dieu, lorsqu'il a dit une chose, il accomplit. Même si tu vis le contraire, mais lorsque lui dit la chose, il accomplit. Il accomplit. Tu peux passer par des moments précaires. Tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux passer par des moments où tu te questionnes. Mais le Dieu qui t'a promis la chose va accomplir cela. Le Dieu qui a promis la chose va accomplir cela. Il me dit de te dire, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il m'a chandarabo shaka. Mazubros ta makanda. Ite bros ta kamorobo shika. Mazibros sabah. Père, fais-le. Fais-le. Afin qu'elle puisse voir ta gloire. Afin qu'elle puisse témoigner que tu es réellement fidèle. Fais-le à cause de ton nom, Jésus. Ibranda Shandarabababababababa. Combattu, mais jamais vaincu. J'entends cette voix qui me dit combattu, mais jamais vaincu. Père, 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 voici ce couple, voici ce couple, voici ce couple, voici ce couple. Voici ce couple, voici ce couple, voici ce couple, voici ce couple. Je me lève maintenant, maintenant, pour briser et condamner ces paroles que je suis en train d'entendre maintenant. Je viens condamner ces paroles au nom de Jésus. Seigneur, cette flèche ne les atteindra point. Point de division. Je dis point de division. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a mandaté ce soir. Je viens briser, condamner. Détruis cette flèche au nom de Jésus. Je rends cela nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez plus de temps dans la prière. Prenez plus de temps dans la vie de prière. Dieu me dit, prenez beaucoup de temps. Abrastandara babushta. Lève-toi. 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 Dieu t'attend à la brèche. Dieu t'attend à la brèche. Tu es une servante de l'Éternel. Sache-le. Que personne ne te manque. Tu es la servante de l'Éternel. Dieu t'a choisi dans ta famille. Mais il est question de la vie de prière.
Si tu veux voir la gloire de Dieu pleinement dans ta famille, il faut que tu t'engages et que tu t'engages sérieusement. Parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Dieu t'a appelé à un ministère. Mais il faut que tu t'engages dans la vie de prière. Une vie de prière intense avec ton mari. Reçois la présence de Dieu. Sandara Babushta. Navrasta Kabara Baba 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 Baba. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Ceux qui sont sensibles peuvent sentir. Nous sommes réellement dans l'atmosphère de gloire. Dieu est en train de faire des miracles au milieu de nous. Que toutes les personnes qui ont des problèmes, que ce soit des problèmes spirituels, des problèmes physiques, peu importe. Je dis peu importe le problème. Passez devant. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut faire quelque chose de puissant ce soir. Toutes les personnes qui ont un problème spirituel, un problème, peu importe le problème, passez devant. Passez devant. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Oh my God. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Yeba Shanda. Ibre Sakamarebo Shika. Branda Shinterabakuti Brista Koba. Mazubre Shandara Babosha. Imo Sakamatika Mrunda Sata. Amazia Bashakamarebo Shata. Si réellement c'est toi qui m'as parlé. Si réellement c'est toi qui m'as appelé. Dès le sein de ma mère, si réellement c'est toi qui m'as choisi dans cette génération, si réellement c'est toi, Père, alors fais-le. Alors fais-le pour ta gloire, Jésus. Ce n'est pas pour la gloire de Juju, mais c'est pour ta gloire, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont avancées, toutes ces personnes qui sont avancées, Père, Seigneur. La Bible déclare, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de nom semblable à ton nom. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est capable. Le nom qui est capable de ressusciter un mort. Le nom qui est capable de délivrer une âme. Le nom qui est capable de restaurer une vie.
pendant que je suis en train de parler, les choses se passent. Le nom qui est capable de ressusciter les morts. Le nom qui est capable de faire enfanter la stérile. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi le nom de Jésus? Crie avec moi le nom de Jésus. Encore une fois, le nom de Jésus. Avec plus de conviction, le nom de Jésus. Crie-le, allez, parle, parle, le nom de Jésus. 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 Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est capable de changer vos situations. Reçois. Reçois, 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 recevez le nom, recevez le nom, recevez, 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 recevez. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Recevez, 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 reçois, 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 et ma chaka, reçois, reçois, et beau chanda baba baba. Alléluia. Toutes les personnes qui sont devant, Dieu me dit, un signe il vous donne à tous, à condition que vous croyez à tout ce qui est en train de se passer. Que vous croyez à tout ce qui est en train de se passer. Père, 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 tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur me dit, à condition que vous y croyez, que vous y croyez, mettez votre foi dans ce qui est en train de se passer. Mettez votre foi et faites un pas avec Dieu, 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 parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Recevez vos miracles. Yamashaka, 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 Yamashaka. Abrasta bababa, Ebrasta bababa, Ebrasta bababa, Ebrasta bababa, Ebrasta bababa, Ebrasta bababa. Mazubrosta ma, Makandura bababa, Reboshata, Mazibrosta bababa. Femme de prière, femme de prière, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Dieu t'attend à la montagne. 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 Prophétesse, Dieu me dit, il t'appelle ma prophétesse. Il t'appelle ma prophétesse. Il t'appelle ma prophétesse. Ma prophétesse, ma servante. Ma servante, ma prophétesse. Ma prophétesse. Pourquoi ne montes pas tu à la montagne? Pourquoi ne montes-tu pas à la montagne? Pourquoi ne montes pas tu à la montagne? Monte à la montagne. Ne regarde pas ton jeune âge. Ne regarde pas ton jeune âge. Tu as reçu quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Tu as reçu quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. De la part de Dieu. Lorsque tu sortiras de ce programme. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Esther, 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 ma servante, Esther, ma servante, Esther, ma servante. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Partout où tu passeras, tu te
témoigneras la gloire de Dieu. Partout où tu passeras, tu témoigneras la gloire de Dieu. Yaba baba baba baba. Vos prières montent vers le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Ne te néglige pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Hey. Je vois en toi un puissant appel de Dieu. Je vois en toi un puissant appel de Dieu. Je vois en toi un puissant appel de Dieu. Ne néglige pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Je vois en toi un puissant appel de Dieu. Yabababosh, 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 yabababosh. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu merveilleux, toutes les personnes qui sont devant, vous allez vivre un miracle de la part de Dieu. Toutes les personnes qui sont devant, je le dis, vous allez tous monter ici et vous allez témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu vous a tous visités. D'une manière ou d'une autre, Dieu vous a visités. Même si je ne vous ai pas touché, mais Dieu lui vous a touché. Vous allez tous témoigner la gloire de Dieu. Retenez bien cette date. Vous allez tous témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu vous a tous visités. Alléluia. Oh, ma sabranda shanda. Tenez-vous tous par la main. Vous tous qui êtes devant, tenez-vous tous par la main. Soyez prêts. 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 Ça arrive. Ça arrive avec l'équipe. Oh yes. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. L'esprit arrive. L'esprit arrive sur vous. L'esprit arrive pour vous, sur vous. L'esprit arrive pour vous. L'esprit arrive sur vous. L'esprit arrive sur vous. L'esprit arrive pour vous. Comme un gage pour témoigner qu'il a agi. Pour témoigner qu'il a agi. Yevo zevro zevro, yevo zevro zevo, yevo zevro zevro, yevo zevro zevo, yevo zevro zevro, yevo zevro zevo, ivro seva, ivro seva, ivro seva, ivro seva, ivro seva, ivro seva, ivro seva. J'entends dans mon esprit, j'entends dans mon esprit certaines personnes qui cherchent du boulot, vous allez retrouver du boulot. Certaines personnes qui cherchent du boulot, vous allez retrouver du boulot. J'entends cela, j'entends cela, j'entends cela.
j'entends cela, j'entends cela. Et c'est vrai, Zaba, et c'est vrai, Zaba, et c'est vrai, Zaba, et c'est vrai, Zaba. Oh, Sambranda Baba, tu as fait bien de venir en ce lieu. Tu as bien fait de venir en ce lieu parce que c'était un rendez-vous avec Dieu. C'était ton rendez-vous avec Dieu, ton rendez-vous avec Dieu, ton rendez-vous avec Dieu. Yeboshe Kababos. Eboshe kababosh, eboshe kababosh, eboze brostama, marebo sakara baba, printa basanda, bronda bashika, ebrata basatara baba, ebrosta baba, babosha brada baba, ebranda bashita raba, endorse brota bashaka, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour cette unité, Père. Merci pour cette unité. Merci pour cette unité. Merci pour cette unité. Et toutes les personnes qui sont dans la salle, tenez-vous aussi les mains. Père, merci pour cette unité. Nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Je vois une vision. Dieu est en train de lever une armée. Dieu est en train de lever une armée. Dieu est en train de lever une armée. Oh oui, Dieu est en train de lever une armée. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Levons tous nos mains. Tenons-nous la main et levons tous nos mains. Comme un seul homme. Comme un seul homme, 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 comme un seul homme. Et Zavrist Hababosh Tanda. Comme un seul homme, comme un seul homme, comme un seul homme, comme un seul homme. Dieu est en train de lever une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée qui va le servir, qui va le servir, qui va le servir, qui va le servir pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée. Dieu lève une armée pour détruire le plan de l'ennemi, pour détruire le plan de l'ennemi. Il me dit, c'est ça qui veut voir, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il veut voir. Il veut voir ses enfants être unis, il veut voir ses enfants être unis, il veut voir ses enfants demeurer unis, il veut voir ses enfants demeurer unis, 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 unis. Là où tu es, commence à prier. Prie, prie, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Sans rien garder. Sans rien garder. Oh, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, Seigneur, prends-la. Oh, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans garder. Oh, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne à toi. Prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, prends ma vie.
Seigneur, prends au sang et regardez. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Est-ce que tu veux chanter? Oh, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, oh, sans rien garder. Regardez, oh, sans regarder, sans regarder, sans regarder, que cela devienne ta prière ce soir. Oh, sans regarder, sans regarder. Alléluia. Dieu est très content. Et Zambazavrastama. Nazivranda Satan. Rabashaka, Rabashata, 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 Rabashata. C'est un rendez-vous avec le Seigneur, un rendez-vous avec l'Éternel. Tu as bien fait d'être là, tu as bien fait d'être là. Tu n'es pas venu en vain, tu n'es pas venu en vain, tu n'es pas venu en vain. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. À partir d'aujourd'hui, que tous les liens familiaux, tous les liens ancestraux, tous les liens démoniaques, sataniques, tous les liens de la sorcellerie, nous allons briser cela au nom de Jésus. Tous ces liens qui te retiennent pour pas que tu avances avec Dieu. Je dis aujourd'hui, nous allons briser cela au nom de Jésus. Lèvons-nous comme un seul homme et prions. Seigneur, nous détruisons tous les œuvres sataniques. Père, nous nous levons contre les liens familiaux, contre les liens ancestraux. Nous détruisons cela, nous brisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les liens qui me réclament, les liens qui réclament ma femme, les liens qui réclament mes enfants, les liens qui réclament ma famille, les liens qui réclament tes enfants. Je viens briser cela, je viens détruire cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les liens ancestraux, les liens familiaux, les liens de mort, Seigneur, nous brisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eboshaka, 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 Reboshaka, Baba Baba. Nous brisons ce lien, nous détruisons ce lien, nous détruisons ce lien. Le lien de la sorcellerie, le lien de mari de nuit, le lien de femme de nuit, nous brisons cela, nous détruisons cela. Le lien de la stérilité, nous brisons cela au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rabababosh, 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 brota kamasaka, riboshaka, mambronda bashanda, imbranda babashaka. Seigneur, tous les liens qu'il y a dans ma famille, je viens les briser. Tous les liens dans ma vie, je viens les briser. Le lien de femme de nuit, le lien, Seigneur, de sirène des eaux, je viens les briser. Le lien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au Père, Saint d'Israël qui ne glorifie pas ton nom, je viens briser cela, je viens détruire cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai détruit tous les liens
liens familiaux, tout le lien ancestraux, je détruis cela, tout le lien Seigneur contre mes enfants, je brise cela, toute attaque contre l'ennemi, contre mes enfants, contre ma vie, contre mon épouse, contre tout ce que nous possédons, par ta grâce, je détruis cela, je brise cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, comme un seul homme, tu vas proclamer la seigneurie de Jésus dans ta vie. Tu vas proclamer la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Il a vaincu. 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 Je proclame la victoire. Je proclame la seigneurie de Jésus dans ma vie. Je proclame la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame la puissance de Dieu dans ma vie. Je proclame que je réussirai. Je proclame, je réussirai. Je proclame, oh Dieu, que je suis un enfant de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. Je proclame, ma vie est bénie. 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 Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Mes enfants sont cachés en Christ. Mon épouse est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Ma famille est cachée en Christ. Je déclare cela. Je prophétise cela. Je proclame cela. Je déclare cela. Je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Je me bénis. Je me bénis. Je me bénis. Je déclare la protection de Dieu. Je déclare la protection divine. Au nom de Jésus. 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 Habashanda. Le temps. Toi, tu es sensible à l'esprit. Oh yes. Le temps. Dieu me dit, le temps d'aller arracher les âmes est arrivé. Le temps d'aller arracher les âmes est arrivé. Le temps d'aller arracher les âmes est arrivé. Satan a dépouillé l'église. Satan a dépouillé les âmes. Mais le temps d'aller récupérer les âmes de Dieu est arrivé. J'ai dit le temps d'aller récupérer les âmes est arrivé. Le temps d'aller récupérer les âmes est arrivé. Comme un seul homme, nous allons arracher les âmes en esprit d'abord. Arrache les âmes. 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 Arrache les âmes en esprit. Arrache les âmes en esprit. Arrache les âmes en esprit. Arrache les âmes. Seigneur, j'arrache. 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 J'arrache les âmes qui sont dans les ténèbres. Qui sont dans les ténèbres. Je viens les arracher. Et je les emmène dans ta présence. Je les emmène dans ta présence. Fais de moi une source de bénédiction. Afin qu'au travers de moi, que les âmes viennent. Que les âmes viennent. Que les âmes viennent à toi, Jésus. Que les âmes viennent à toi, Seigneur. Je viens arracher. Je viens arracher. Je suis un pécheur d'homme. 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 Et nous allons faire cela prophétiquement. Ce que tu vas faire en allant arracher, tu vas marcher prophétiquement en esprit. Allez, marche avec moi. Nous marchons pour arracher. Nous marchons pour arracher. Marche. Marche, marche, marche. C'est des signes prophétiques que nous sommes en train de poser. C'est des actes prophétiques que nous sommes en train de poser. En marchant, tu es en train de marcher pour évangéliser. Tu es en train de marcher partout où Dieu va t'envoyer pour évangéliser, pour évangéliser, pour arracher des âmes, pour arracher des âmes, pour arracher des âmes, pour arracher des âmes, pour arracher des âmes. Et si tu connais une âme qui est dans le monde des ténèbres, cite son nom, cite son nom, cite son nom, cite de son nom. Si tu connais une personne qui est dans les ténèbres, si tu connais un païen qui est dans les ténèbres, cite son nom, cite son nom, cite son nom, cite son nom et arrache-le, appelle-le, appelle-le dans la présence de Dieu, appelle-le à la présence de Dieu, appelle-le à la présence de Dieu. Seigneur, j'arrache, j'appelle Gianni,
J'appelle Gianni, j'appelle Jonathan, j'appelle Julien, j'appelle Saint Israël, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, Chantibert, je les appelle. Ma mère, mon père, je les appelle, mon Dieu. Mes frères et sœurs, je les appelle à toi. Mes cousins, cousines, nièces, je les appelle à toi. Je les appelle à toi. Je les arrache pour ton royaume. 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 Je les emmène dans ta présence. 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 Alléluia. Yabashanda. 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 Diribububosha. Dimbranda sataba. Labro sabakanderebushta. Dibresta boshi branda sika. Ibrus donkin brinda sita makunda. Ibrusta vavoste. La brasta kamaku sabre. Amasuba santirama. Imasukerebosha. Brasta kunti brinda macha. La zibrosa. Vavosta vezevres da vavosh. Mabrusta ma santa rabababosta. Oh Père, toutes ces personnes qui étaient condamnées. Ce soir, tu es venu, Père, pour briser la condamnation. Toutes ces personnes qui étaient, oh Dieu, maudits. Ce soir, tu es venu, Seigneur, pour bénir ces personnes. Toutes les personnes, oh Dieu, qui ont subi des choses, Seigneur, mon Dieu, mourra dans leur vie. Des choses mauvaises, oh Dieu, qui sont restées, Seigneur, mon Dieu, dans leurs pensées, qui sont restées dans leur mémoire. Aujourd'hui, tu viens effacer cela, oh Dieu, et renouveler, Seigneur, oh Dieu, leur vie. Ce soir était un rendez-vous que tu as donné avec ton peuple. Merci Père pour ta présence. Je m'incline au devant de ton trône de grâce et je te dis merci de t'être servi de moi comme un serviteur inutile, comme un instrument au devant de ton trône de grâce. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation. Aujourd'hui et pour toute l'éternité. Toi qui es élevé en dignité. Toi qui vis à jamais. Toi le roi de ma vie. Le roi du Tout-Puissant. Le créateur de l'univers. L'artiste des nations. Le visiteur des âmes perdues. Celui qui arrache les âmes. C'est toi, Yehoshua Mashiach. Nambranda Sanda. Rabashaka. Je viens de voir une vision. Tiens ta femme et mets-toi debout. Maroba Shanda. Gebranda Sata Masibronda Sata. Pendant que je priais, je vous ai vu en train de vous tenir la main. Dieu m'a dit de vous dire, le temps est venu pour entrer dans votre appel. Parce que vous avez un appel de Dieu puissant. Mais dans cet acte qu'il venait de poser en vous tenant la main. C'est ce que Dieu désire pour vous. Que vous marchiez d'un commun accord. Que vous preniez des temps de prière. Que vous vous consacrez à Dieu. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nebrastandaraba Shaka. Ivazavaravava. Gladys. Lève-toi. Amashandarababosa. Gevranda Sataraba, approche-toi s'il te plaît. Nazivres tavavos tandirababos. Azakanti zamasanti. Kantu kamanti kamande. Tansumbrenda santa. Yabasibronda shata. Tu as reçu une grâce spéciale de la part de Dieu. Si je mens, tu me le dis devant tout le monde. Dieu me dit. Tu me contredis si je mens. La grâce que tu as reçue te fait peur. Et souvent tu doutes de ce que tu dis. Parce que tu as l'impression que c'est toi qui es en train de parler.
C'est vrai ou c'est faux? Ce soir, Dieu me dit, arrête de douter. Le fait que tu doutes, tu empêches son onction de travailler correctement. Parce que Dieu t'a donné des yeux et des oreilles. C'est une grâce spéciale. Mais Dieu me dit, arrête de douter. Parce qu'il veut travailler avec toi. Et cette grâce va descendre encore ce soir. Cette grâce va descendre encore ce soir. Elle descend. 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 Elle va te saisir. Elle va te saisir. Elle va te saisir. Elle va te saisir. Elle est là. Elle est là. Cette grâce est là. Cette grâce est là. Ce don est là. Ce don est là. Ce don est là. Dieu va ouvrir tes oreilles dans une autre dimension. Ce soir, je dis, Dieu va ouvrir tes oreilles dans une autre dimension. Dans une autre dimension, tu vas entendre la voix de Dieu comme tu entends ma voix. Tu vas l'entendre clairement, clairement, clairement. Indrista kasi bratu taka ikambrinta sunti arantu sabranda sataka irebo shaka ibo shinda izivo sakamata ibo shaka baba baba ça monte de plus en plus avance 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 avance. Pourquoi fuis-tu l'appel de Dieu? Pourquoi fuis-tu l'appel de Dieu? Dieu te connaît parfaitement. Alors parfaitement. Dieu veut te ramener dans une autre dimension de ta vie de prière. Mais il attend que tu fasses le premier pas. Cela vient du cœur. Cela vient du cœur. Et ce soir, tu n'es pas là en vain. C'est parce que Dieu veut restaurer ton cœur. Père, fais-le. 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 Que son cœur soit restauré. Que son cœur soit restauré. Que son cœur soit restauré. Fais-le. Fais-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci de panser les blessures, 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 merci Seigneur. Merci de restaurer le cœur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, des blessures de cœur? Vous avez été blessé par des gens, vous n'arrivez pas à pardonner.
vous n'arrivez pas à libérer le pardon. Si vous êtes là, avancez. Nazivras tambava. Il n'est pas simplement celui qui panse la plaie, mais il est celui qui guérit. Et lorsqu'il guérit, il guérit sincèrement. Eva Zambranda Sata. Seigneur, c'est toi qui m'as parlé de cela. Alors fais-le. Seigneur, fais-le. Donne un cœur nouveau. Donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui peut pardonner, Seigneur. Un cœur qui peut pardonner. Dans cette atmosphère, Père, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Oh. Oh. Waouh. 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 Je vois Dieu comme un docteur qui place ses enfants dans un lit d'hôpital et qui est en train d'opérer les cœurs. Oh, yama shanarama shaka. Ce soir, Dieu est en train d'opérer des cœurs. Il est en train de donner un cœur nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, vous allez voir vous-même, vous allez pardonner. Vous allez pardonner. Vous allez pardonner. Et votre vie sera libérée. 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 Ah oui, le temps du pardon est arrivé. Oh yes, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Jésus. Manifeste ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ne pleure plus. Désormais, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dieu t'a visité aujourd'hui. Dieu t'a visité aujourd'hui. Dieu t'a visité aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, yama shambra shikaremo zata. Ibrestama satura babosh. Iba santa. Narama sata. Rabashandara babosh. Le pardon. Le pardon. Le pardon libère le cœur. Libère le cœur. Libère le cœur. Libère le cœur et la vie de prière. Seigneur, fais-le. 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 Donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te connaît. Amen. Merci Jésus.
Seigneur. Nous avons fini, nous avons terminé. Est-ce qu'on peut tous nous tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?